On y va? Oui, on y va. Allez, c'est parti pour 50 minutes de route. Prête? Il n'y a pas de musique. Après cette demi-année d'absence, c'est ça. On se retrouve pour une journée un peu spéciale pour nous. En fait, on va pas filmer une vidéo genre normale. Ça va être plus genre un vlog. Parce ouais. Qu'aujourd'hui, on va faire une activité aquatique. C'est inédit pour nous. J'avoue que moi, je suis hyper stressée en fait. Genre dans les airs, ok, je suis à l'aise. Un saut en parachute, ça va. Nickel. Mais aller dans l'eau, c'est compliqué. Non, en vrai, je suis stressée et tout. Je fais caca 3 fois en plus. Bon, bref, on verra tout ça. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et on a extrêmement peur. En gros, il y a une réservation qui a été faite pour le 1er août. Sauf que le 1er août, il faisait pas assez beau pour faire cette activité-là. Du coup, on a reporté parce qu'on passe par un site internet qui nous met en relation avec le fameux machin de aquatique, avec le local, on va dire, avec eux. Sauf que quand j'ai voulu changer de date, le certain local m'a dit bah oui, nous, il n'y a pas de souci. Et je leur ai dit mais par contre, sur le site internet, moi, c'est toujours marqué le 1er août. Ils m'ont dit oui, bah appelez-les comme ça pour voir au cas où et tout. Je fais ok. Donc je les appelle, sauf que ce putain de numéro était payant. C'était payant. J'ai payé genre 2 minutes. Ce qui est extrêmement cher. Et au final, tout ça pour me dire tout touloulou, tout touloulou. Ils me mettent une petite musique d'attente. Et si vous voulez parler à un conseiller, tapez le 1. Si vous voulez manger un sandwich, tapez le 2. Et si vous voulez aller vous faire foutre, appelez le 3. Enfin, tapez le 3. Bon, bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment d'arriver, je tape sur le 1 pour avoir un conseiller. Et au moment où j'allais avoir ce putain de conseiller, ça raccroche. Voilà. Donc on était bien dans la... Au final, on essaie d'appeler le local encore aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Pour confirmer l'heure, et après 4, 5, 6 appels, ils ne répondent même pas. Donc là, on y va, mais on sait même pas si on va faire la certaine activité. On va peut-être les appeler maintenant, en fait. Ouais, j'avoue. Zeze, un petit appel, du coup. C'est une blague. Quoi? Ils m'ont raccroché direct au nez. Ça me stresse. Ça y est, j'ai les aisselles en eau là. Les aisselles. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que hier déjà on a essayé de vous appeler genre 4 fois mais on a eu aucune réponse. Ah d'accord. C'est madame avec madame. Et on a rendez-vous ce matin à 11h ou 11h30. Je sais pas parce que normalement vous deviez. 11h45. De toute façon, on arrive bientôt là. Bon, merci beaucoup, à tout à l'heure. Ouais. 11h40. Au final, il m'a dit que pour le boulon et tout, il n'y avait pas de soucis, mais et on verra ça ensemble. 11h40. Et on va faire quoi jusqu'à 11h40? Parce qu'on aura 1h20 d'avance en fait. Bah, on peut aller bouffer. J'ai le temps de pisser 3 fois, non? Et de caguer au moins 12 fois. Non, mais sérieux. C'est une blague? Oh bah je prends mon pain hein. Ah bah là on peut y aller à pied hein. Il est actuellement 9h44. Nous avons rendez-vous dans 2 heures. Bon attends, je pue là. Ah bordel. Non mais sérieux quoi. Bah on va visiter hein. Ah il y a des toilettes publiques. Ah il fait du pouce.
miss my old friend. Oh le pauvre. Il avait une sale gueule en fait. J'ai jamais fait ça de ma vie. Non, quand les gens ont une bonne tête, tu les prends. T'as déjà pris? Non. Bon, moi ça je peux pas le faire. Bon bah on va s'ambiancer un peu hein. On a le time. Alors t'es-tu pas bien dans ce petit coin là? Ah je suis-tu bien moi hein. Ça va ou pas? Très bien. Bien écoutez, moi je passe un très bon moment. C'est super. Bonjour. Pas une photo? Je suis hyper moche. Bah alors. Mais en vrai, ce serait stylé sur la route. Genre, il n'y a absolument personne. Tu veux faire une photo? One eternity later. Après avoir passé 3h30 à faire des photos et attendre que Miss fasse pipi. Oh, ça va, je dirais moins longtemps que la photo. Nous repartons. Mais pourquoi mon chignon, à chaque fois que j'en fais un, il ressemble à rien? Bah oui. Oh fuck. Oui, Taylor about the fucking flex. Bon, on est allé au certain local. Et au final, bah, vu que c'est 11h40, bah, on a une heure devant nous, donc on va chercher à bouffer. Voilà, sauf que je vous dire que c'est la pampa profonde. Je sens qu'on va marcher encore 10 km. Mon arrivée. Je dois faire. Stress ? Oui. Bon, voilà notre repas du jour.
On a une petite anecdote à raconter, mais on le racontera après. Comme avant, comme au collège. C'était pour après notre activité. Le gamine. Miam, miam, miam. Mmh, t'aurais dû prendre ça, c'est trop bon. Vas-y, raconte ce qui vient de se passer. En gros, on rentre dans une boulangerie, on a rangé. Et par exemple, le sandwich, c'était genre 4,80€. Ce qui est extrêmement cher. À emporter. Et en fait, sur place, il était plus cher. Genre, c'était 5€, 20 centimes de plus. Mais on commande, on prend, on paye. Et elle nous dit, oui, comment vous faites? Et je dis, bah, vous pouvez faire deux cartes séparées. Moi qui ai été vendeuse dans ma vie, je sais qu'on peut faire deux cartes séparées. Et au final, elle me dit, bah non. Je dis, bah, vous pouvez pas. Elle dit, bah, non, je peux pas. D'accord, meuf. Du coup, on a dû se faire chier. Petite voix off, juste pour vous dire, rappelez-vous bien de cette gueule-là. Si à payer qu'on pouvait pas diviser, bref, et ensuite. Et du coup, on paye, et là, je lui dis, on peut s'installer dehors, hein. Elle dit, ah, bah mais non. Non, c'est plus cher. Ah, et là, dans ma tête, je me dis, putain, c'est une femme. Et là, je lui dis, non, mais viens, on va manger ailleurs et tout, ça ne sait pas. Je lui dis, mais non, viens, on y va. Et la nana, elle me dit, bah, si c'est bon, allez-y, quoi. Oui, bah, on y va, et puis basta. Et du coup, on s'est posé, on les a pipés. Quoi? Je sais pas, on écoutera dans la vidéo. On dit quoi? Vous êtes? Je sais pas. Malade. Vous êtes belle, comme ça, je crois pas. Je sais pas. Donc voilà, c'était la petite anecdote sympa. T'avais une vraie conne, la meuf. Bref. Nous arrivons bientôt à destination. Et elle se chie toujours dessus. Oui! Oh, de putain, je suis en stress, hein. J'ai mal au ventre. Oh, bordel. Attends, j'ai. Allez, je te jure, là, je suis. Nous revoilà. Là, au final, on est trois. Donc, on attend que notre coéquipier parte. Et après, ce sera notre tour. Ce sera toi ou moi? C'est comme tu veux. Tu veux aller en première? Non, vas-y. Et tout le monde met le truc dans la bouche? C'est le même pour tout le monde, genre? Allez, hip. Après, il va dans l'eau et tout. Donc... Ouais. Il aura un peu. Tu penses qu'on peut faire pipi? Quoi, les toilettes? Les toilettes, mais tu pisses pas. Non. Je sens des bulles. Il y a des bulles qui montent à l'intérieur de moi. J'ai tellement hâte, il est en train de lui faire tous les signes là. J'ai trop hâte. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis en extase totale. J'ai trop hâte. Je vais filmer juste leur petit bout. Oh, on voit de la palme. Elle est trop stylée. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce... Ces palmes, elles sont ultra stylées. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça y est, là, ils vont à l'intérieur, là. Bah, ils sont déjà... Je sais ah, pas ça y est, ils sont tout dans... Oh, ouais, ils sont tout dans... Oh, sa mère. Bon. On va avoir ces têtes de bite, ça va être sympa, moi je vous le dis. Ouais, mais du coup il a 10 pas de cheveux sortis. Et en gros ça fait... Oh là, tu fais l'étoile. C'est trop bien.
On flotte complet. Ah par contre j'entends rien. Ah ouais? Ah ouais. J'ai trop hâte. Tiens, tiens-moi ça. À ton tour. C'est bon là, non? Bon, t'as des cheveux aussi, mais c'est pas grave. Des têtes de pitre, quoi. Ah ouais, j'entends rien non plus, quoi. Je l'avais monté jusqu'en haut, moi. C'était comme ça, toi aussi? Moi, je crois, hein. Ouais. Mais du coup, tu peux plus bouger, hein. Bah, tourne la tête. Tourne la tête. Je peux, hein. Non? J'entends rien, toi. Ça va être bientôt bon. Okay. T'entends là? Ouais, ouais. Mets ta tête en arrière. C'est bon? Ouais. Tu mets la petite boîte en bouche et après, t'inquiète pas. C'est moi qui fais tout, t'as rien à faire. Ah, moi j'aimerais bien faire. Ça va? Ouais. Comment on dit? Ok. De la buée, du coup je vois pas grand chose. Alors regarde, on va enlever le masque. Essaye de souffler, je pense que tu souffles un peu par le nez. Sans forcément t'en rendre compte, c'est pareil, c'est une habitude qu'on a dans le tous les jours. Et du coup, c'est ça aussi qui peut faire de la buée. Ok. Thank you.
Adieu. Adieu. On se retrouve dans 5 secondes pour vous, 25 minutes pour nous. Putain. C'est parti. C'est un beau bordel. Débriefing. En bouffant des bons becs. Ça y est. C'est pas au citron un peu? Non, citron. Ah, oh, c'est la pomme. C'est pas. Bon, du coup, débriefing. Genre, déjà rien que le local, c'était un peu pécard. Ouais, ça, ça paye pas de mine quoi. Genre, t'as un côté accueil, mais enfin, pseudo-accueil quoi. Mmh. Et de l'autre, t'as plein de combis pendus. T'as les toilettes toutes pourries, y'avait même pas de. Pas de verrou, la lumière c'est. Pas de verrou, enfin la lumière voilà. Et après, t'avais des vestiaires genre juste à droite, c'était mixte. C'était mixte et c'était, tout était ouvert, y'avait pas de. Y'avait juste un rideau qu'on pouvait tirer genre. Y'a pas de cabine, y'a rien. Bref, voilà. L'équipe. Ouais, l'équipe, c'est vrai qu'au début, moi je les ai trouvés genre hyper brutes de pommes. Mais après, genre quand on a passé du temps avec eux, genre ça se passait trop bien. Donc, Ouais, au début, il y a une nana, genre l'accueil. On l'a trouvée genre vraiment. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'était pas. C'était bizarre. Pas très souriant. Ouais. Surtout qu'avec notre problème du 1er au 25 août avec le changement, là, ils nous ont pas fait confiance dès le début. C'était ouais. En mode. Genre, elle est venue vers nous, genre à plusieurs reprises, en mode vous avez vraiment payé ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Enfiler une combi. Non, en vrai, nous, on s'est bien débrouillés. Ouais, ça va encore. En vrai, genre, quand on est arrivé, on était avec un monsieur et un autre petit, il devait être mineur. Et en gros, on s'est tous changés. En fait, c'est pas les combis qu'on met genre pour faire du jet ou de la bouée ou peu importe. Là, c'est vraiment les grosses combis néoprène, gros, épais quoi, vraiment épais. Et donc, il fallait l'enfiler et tout. Et en fait, une fois qu'on l'avait enfilé, déjà, ça puait. Et en plus, genre, on avait l'impression de porter un pantalon hyper bas. Puis on avait une capote à mettre, quoi. Ah ouais, on avait la une capote. En vrai, tout ça, vous avez déjà vu, de toute façon. Bon, niveau organisation, ils sont un peu pourris aussi. C'était un peu de bordel. D'un, ils ont fait couler leur caméra, mais ça fait genre un bail. Normalement, ils ont un tarif genre pour qu'on ait des vidéos ou des photos. Et là, bah, que dalle, c'était nous qui devions emmener notre propre caméra. Donc, je trouvais ça un peu nul à chier. Et au final, on apprend que. En fait, on s'est dit que nous, on est partis en bateau et tomber comme. Genre, faire pousser le nez et tout. Moi, j'apprends des gamins. On pensait qu'on allait faire ça, sauf qu'au final, on apprend qu'il n'y a pas de bateau et qu'on va directement sur une plage, en fait. Bon, après, voilà. Et ensuite, j'ai demandé, mais genre, vous faites jamais des sorties avec un bateau et tout. Et en fait, ils nous ont dit, bah si, mais en fait, le moteur du bateau a pété. Bref, à part tout ça, franchement, c'était une trop bonne expérience. Mais en vrai, ouais. T'as déjà bouffé ? Ouais. Bah oui, toi tu parles, moi je mange. Du coup, je vais parler, tu vas manger. Du coup, il y avait trois moniteurs. Il y en avait un qui s'occupait de nous deux plus le prof d'histoire géo. En fait, on allait sur la plage. Le prof d'histoire géo a commencé. Pendant que le prof, il était sous l'eau avec le moniteur. Et ça durait genre 20 minutes par personne. On n'était pas tous ensemble parce qu'il y avait qu'un moniteur. Mais sinon, en soi, c'est une bonne expérience. Juste, l'eau, elle était un peu trouble. Elle était pas si claire que ça, en fait. De toute façon, ils l'ont vu. Mais moi, j'avais trop le seum. Mais genre, j'avais de la buée dans mon masque du début à la fin. Ou j'ai trop apprécié. Mais d'un autre côté, un peu déçu, un peu frustré par ça. Moi, par contre, j'ai un peu paniqué à un moment donné. Mais oui, ça se verra parce qu'en fait, j'ai continué à filmer. On avait déjà fait les paliers, entre guillemets, même pas. Pas de paliers.
Non, mais il doit faire des trucs avec la bouteille, on doit se déboucher le nez et tout. Okay. Bref, j'avais fini tout ça, on était carrément au fond. Il n'y a plus les papiers qui se passent. Attends, on a fini, il n'y a plus de batterie après. Oh merde. Et Vas-y, continue. Mais oui, tu seras plus là. J'étais déjà au fond de l'eau. Que en gros, je commence à voir dans mon masque, genre de l'eau qui commence à faire comme ça, comme ça, comme ça. Et là, genre, ça arrive au niveau du nez. Et là, je commence à plus respirer. Enfin, c'est hyper compliqué déjà de respirer, genre. Alors, sans le nez, c'est horrible. J'ai l'impression de plus. Enfin, tu vas plus respirer. Quoi. On avait appris des signes avec eux. Et je fais comme ça. Est-ce que plus en fait on remonte à la surface, plus mon masque il faisait comme ça et j'avais l'impression que genre j'allais plus rien voir et que t'allais mourir. Du coup il m'a réglé le masque et après c'est passé nickel. Toi aussi tu dois aller en fait. Ouais moi bah, c'était bon, c'était juste la buée quoi. Putain, tu me gaves de sucre là, tu sais que j'en prends quasiment jamais. Bah si tu veux je mange tout là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, au final, franchement, bonne expérience. Moi, j'ai envie de continuer parce que là, c'est vrai qu'on était guidés en fait par le moniteur. On faisait rien, on nageait pas et tout. Ouais, il nous prenait, il nous emmenait avec lui. Ouais. Donc moi, j'aimerais bien et du coup être seule et pouvoir tout gérer quoi. Et toi? Moi, ça me va comme ça, genre. J'aime bien. Après, je sais pas si on est descendu vraiment. Ça, trois, six pour moi. Moi, je pense pas. Genre, j'étais bien, genre il me. Ouais, et puis il tenait le pot là. Toi aussi, hein. Donc bon, voilà toute l'histoire. J'espère que ce premier vlog ne va pas être trop le bordel. Vous pouvez la partager et tout parce que bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés vraiment toutes les deux aussi. Puis ça nous fait un souvenir aussi. Ouais. Ça nous fait un souvenir. Genre, dès qu'on veut regarder. Ceci marque la fin de cette vidéo. On espère que vraiment ça vous a plu. Même si c'est un bordel. Ou pas, hein. Ou pas, je sais pas. Ah bon, c'était une journée cool et. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre de format. Et voilà. On vous fait des bousous. Et on vous dit à la prochaine. Gros bisous.